Bonjour et bienvenue à Choisis ton arme. Aujourd'hui, Sammy, Eve et Alissa sont avec nous pour jouer à Cooking Simulator Cake. Cooking Simulator est un jeu de simulation de cuisine sorti en juin 2019 et nous y jouerons sur PC. Salut les filles, comment ça va? Très bien, oui. Aujourd'hui, on joue à Cooking Simulator? Oui. Avez-vous déjà joué à Cooking Simulator? Non. Donc, c'est la première fois? Oui. Parfait. Avez-vous hâte? Oui. Super. On y va? Oui. Je suis Bobo le bébé de Ned. Je vais vous dire toutes les merveilleuses choses qui vous attendent dans ce mode de jeu. Le pétrin vous permet de créer votre propre pâte comme base. Utilisez un ingrédient en vrac tel que de la farine humidifiée avec un liquide. Ajoutez du gras ou de la levure, puis terminez en ajoutant l'arôme de votre choix. Le mieux, c'est qu'il est possible d'échouer. Tant que les ingrédients forment une pâte liquide, tout est bon. Si vous débutez en pâtisserie, pas d'inquiétude, de nombreuses recettes avec des instructions pas à pas vous attendent. Avant d'utiliser le four, vous devez d'abord mettre votre pâte dans un moule à cuisson. Il y en a de diverses tailles, formes, c'est à vous de décider lequel utiliser. Même les moules se trouvant dans les recettes ne sont que des suggestions pour utiliser au mieux la quantité de pâte. De plus, vous pouvez ajouter plusieurs couches de pâte différentes dans un même moule. Et le tout formera un seul gâteau. Il est impossible de rater la cuisson, mais ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous. Dès que vous transférez votre pâte dans un moule, vous verrez la température et le temps de cuisson optimaux de votre pâtisserie. Vous pouvez bien sûr essayer de rogner les coins, mais il vaut mieux respecter les suggestions. Oh, et le four a un minuteur intégré, donc vous devez uniquement surveiller la friteuse. Une fois la cuisson de vos pâtisseries terminée, il est temps de les décorer. Nous donnons des divers ustensiles pour vous laisser s'exprimer votre créativité. Des glaçages, des nappages, des garnitures, des poudres, tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez même utiliser de la crème pour dessiner des formes personnalisées sur vos gâteaux et biscuits. En plus, vous avez des tiroirs pleins de figurines à placer sur vos pâtisseries. Vendez beaucoup de pâtisseries pour devenir la plus célèbre pâtisserie d'Europe. Pour chaque dessert, on va dire Québec, pour chaque dessert vendu, vous obtiendrez des créations qui seront sociales. Évitez les produits brûlés ou pas assez cuits, car ils provoqueront des emojis tristes et en colère. Ainsi que les points négatifs, les hashtags définissent les principales caractéristiques de vos pâtisseries, ainsi que les préférences de vos clients s'y correspondent. Vous obtiendrez de meilleures réactions. Essayez de proposer une offre pour une offre variée et surveillez le hashtag du jour pour optimiser vos recettes création. Il est plus aisé de préparer un grand et impressionnant gâteau, mais les biscuits donnent parfois du meilleur résultat. OK. Ouais, ça va être bon. Faisons un tour de pâtisserie. OK. OK, là, on fait un tour, donc... La pâtisserie est divisée en plusieurs zones. Chacune a une fonction différente. Pas d'inquiétude, je vous expliquerai tout en chemin. OK, là, il y a les sels, ingrédients, pis tout. Ça, je sais pas. Ça, c'est comme la farine, pis tout. OK, commençons le garde-manger. Utilisez le frigo à gauche, les distributeurs au milieu, les étagères à droite. Et pour partager les produits qu'il vous faut préparer, votre pâte prédiction. Ça, j'ai pas compris ce mot-là. En prédiction, quelque chose. OK. Bon, on a la lumière d'en face.
Utilisez l'application CookBay pour acheter des équipements supplémentaires et recevoir votre commande devant la porte. Vous pouvez aussi l'utiliser pour envoyer vos gâteaux pour remplir des commandes spéciales de clients. Utilisez des appareils pour combiner vos ingrédients et en faire une pâte ou une pâte liquide. Souvenez-vous, le mélange doit être assez humide pour former une pâte. Ici, c'est la friteuse. Une fois votre pâte prête, appuyez sur le bouton pour remplir la friteuse d'huile et faire cuire des donuts délicieux. Vous pouvez aussi faire cuire les donuts au four. Il vous suffit d'utiliser d'abord un moule à cuisson. Ouais, des donuts. Utilisez des pâtes et des moules différents pour créer d'autres pâtisseries. Wow! Ça, c'est le crémage, je pense. Ouais, ça, c'est le crémage puis tous les bonbons. Vos pâtisseries sont cuites. Il est maintenant temps de décorer. Ici, vous trouverez tous les glaçages, nappages, poudres et garnitures de votre choix. Oh, des fruits et légumes, je pense. Vous trouverez même des figurines dans ces tiroirs ainsi que les fruits au frigo déposés sur vos gâteaux succulents. Seulement. Succulemment. Ouais. Ok. Seulement ou succulemment. Placez vos pâtisseries sur le stand pour les mettre en vente. Une fois votre journée de travail terminée, les clients viendront acheter vos créations. Je suis sûre qu'ils vont être bâtissants, les nôtres. Perfect. C'est tout pour le moment. Je viendrai de temps en temps lorsque vous avez besoin d'aide. Appuyez sur T pour lire mes conseils. D'accord. Depuis tantôt, cette tablette-là... C'est quoi? Comment? OK, le smartphone de Patsy, appuyez sur T. OK. Fermé. On passe sur Tab. OK, donc là, il y a le truc du tutoriel. Le genre de magasin qu'elle avait par le personnage. OK, c'est là. Celui du milieu. Celui du milieu. Lui, c'est Bake Dex. Ah, ici, c'est voir les recettes. OK. Je vais cliquer dessus. Alors. OK, ajouter dans un bol de pétrin vide. Donc, on va aller chercher un bol de pétrin vide, à mon avis. Pétrin. Moule carré. Un bol de pétrin, c'est un bol qui va dans une machine comme ça. OK. Attraper. OK. Voilà. Là, je vais le poser. C'est pas. Je vais le poser. OK. Maintenant, il était marqué de l'eau, mais je me rappelle 150 plus combien. 150 millilitres. OK. Merci, Sam. Oui. 150 millilitres. Donc, je suppose que l'eau est... Oh, il y a sûrement de l'eau ici, donc là, je pense qu'on devrait t'amènes genre aller chercher... T'amènes le bol, puis tu mets de l'eau dedans. Attraper. Tu déposes, tu mets de l'eau dedans. T'attends aux 150 mètres. Donc là, je clique. Allez. Attends un petit peu. Tu dois l'ouvrir. Je garde les affaires. Tu dois l'ouvrir, je crois. OK, bon. En bas à droite, tournez le robinet. Poignée droite. Ouah. Oh mon Dieu, j'en ai eu trop. Je sais pas. OK. Donc là, verse-le un peu de bas. Majuscule. Fais attention où tu le mets, hein, le point.
t'as tout vidé. Donc, il y en a plus? Oui, là, tu le remets, Ali, t'en remets. Donc, mais ça fout vite, par exemple. Donc, ça, je mets ça là. Là. De 140, ça va aller. Ok, ouais. Ça va aller. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, vas-y avec ça. T'aurais dit y aller avec 140, n'est-ce pas? Donc, il va être très moelleux. Oh. Je vais mettre là. Farine enchérie, 400 grammes. Donc là, je vais aller chercher la farine enchérie. Je pense que c'est là. Ok, là, il est marqué sugar. Là, il est marqué flour, mais c'est ça, la farine. Ah, je pense que c'est pas là, ça veut dire. Il y a encore la même affaire. C'est où? Baisse-toi. Ah oui, allez, c'est là, tu te rappelles? Il était là. Là? Oui, là. Farine à pâtisserie. Nous, ce qu'on veut, c'est de la farine enchérie. Farine enchérie. Ouais, la farine à pâtisserie. Ok, ben, j'allais chercher. Attraper. Attends, il faut en mettre combien de millilitres? Ouais, c'est-tu? 400 grammes. Ok. C'est mieux, là. Laisse ton bas sur le comptoir. Ok. Prends un bas qui est en dessous des distributeurs. En dessous, là? Ouais. Ok. De celui-là, genre? Si tu te trompes, t'as pas besoin d'en faire ton nom aussi. Genre, oui. Les grandes casseroles? Okay. Farine à pâtisserie. B. Hein? Stop, stop. Retour. Okay, il en fallait bon. Combien déjà? 400. 400. Ok, bon, on va continuer. Ok, on... retour. 425. Oh. Ça va aller vu que t'as mis ben, un peu ouais. Plus d'eau. C'est vrai. Alors, ici. Déplacer. Hey, le point rouge, c'est où qu'il va se mettre, donc. Verse-le pour qu'il soit. Je le mets tout dedans. Oui. Oh. Tiens, 425. Ça, je remets ça. Fais attention pour pas le casser, hein. Oh non, il y a de la farine. C'est pas ok, bon. Ensuite, on va commencer à aller un peu plus vite. Sucre en poudre, 150 grammes. Donc, moi, je vais reprendre ma grande casserole. Sucre en poudre. Sucre cristallisé. Ouais, sucre cristallisé, je pense à être ça. Hein? Je suis pas sûre. C'est pas du sucre en poudre, c'est cristallisé, donc c'est pas censé être de poudre. Ah oh, oui, je crois en avoir vu. Ici, il y a du sugar. Oh, ta décoration. Fait que c'est sucre cristallisé. Sucre cristallisé, il en faut combien déjà? 150 grammes. Sucre en poudre, sucre cristallisé. 150. C'est bon. Oh, oh, parfait. Pile. Bon, alors, ça, je vais faire ça. Je vais mettre là. Faire tourner. Attends, je suis mieux de le tasser. De même. Faire tourner. Dedans. Oh. Et attends. Non! Ce vaccin, c'est vraiment drôle. C'est rendu comment? Ça fait 25 grammes dedans. 25. 150 grammes de farine. Ça veut dire qu'il manque de farine. Il me manque. Alors, farine à pâtisserie, on était censé en avoir 400. Je pense que c'est 450. 400 moins 150. 400 moins 150, ça fait 300. 300 moins 50. 300 moins 50, ça fait 250. Ok, 250. Ok, farine à pâtisserie. 250, s'il vous plaît. Yeah. Ok, bon, 260. Ça va faire la poire. Ouais, ça va faire la poire. Donc, ici. Shift. Faire tourner. Regarde si tu l'as quand tu tapes. Lâche ton shift. Regarde en bas. Fais attention. Attends un petit peu. Si tu cliques gauche, tu peux l'allumer.
gauche. OK. Clique gauche. Tu peux pas l'accrocher comme ça. Place-le quand même loin, Ali, parce que ils sont mis de même. Puis... Pam. Parfait, 425. Ah oui, mon sucre. 25 grammes, puis on en avait besoin de 150. Donc, ça fait 125. Sucre. Non, on l'a dépassé. Ça va être sucré. De toute façon, elle avait dit qu'on pouvait pas rater. Ouais, je vais quand même faire avec ça. Donc, tant que notre pâte soit humide. Ici, on va le lever. Comme tantôt. Wow. Je veux dire, on va le déplacer. Ouais, c'est ça. On va le déplacer. Moi, que je veux que ce soit bien, là, quand même. Ça bug. Non, c'est pas grave. Et voilà. Et voilà. Bam. OK, maintenant que ça, c'est enfin terminé, levure de boulanger, 30 grammes. OK. Alors, on va voir qu'il te dépêche. Vermicelle, farine à gâteau, sucre cristallisé, biscuits, café, velours de boulanger. Ouais, la velours. Je pense que de la velours, c'est sûrement genre quelque chose comme... Je pense que... Ça. OK, bon, je vais aller voir les petites graines ici. Citron, cannelle, gingembre, sucre, levure. Oh non, c'est de la... sur le sucre. Gingembre, sucre glace. Sucre de canne. On n'a pas de la levure de pâtissier. Mais c'est de la levure chimique. Ok. Non, mais pas besoin de bonne main. Comme une salade. Donc, j'en ai besoin de 30. Bien. Et voilà! Donc ça, je vais déposer ça comme il faut, ici. Yeah! Ouais, pas il y a rien dedans, mais... Wow! Les apparences peuvent être trompeuses. Voilà. Oh, on peut faire pivoter. OK. Ali, déplace-le parce que sinon, si tu me mets dessus, je vais te couler à côté. Mais on peut faire pivoter, il était marqué, donc je vais faire pivoter aussi. Yeah. Oh, je crois que j'aurais dû direct le mettre dedans. Oups. Est-ce qu'il est dedans? Attends, regarde s'il est dedans. Je vais aller checker pour ouvrir aussi. Non. Oui. Oui. OK. Donc là, ça veut dire qu'il est marqué 1 gramme ici. J'en ai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Normalement, il y en a 30. J'allais reporter ça. Moi, je ne fais pas de... Je veux pas faire le ménage juste après. OK, mélanger avec la soie lame de mélange. Ah, elle. Mettre une petite...
Mettre une pâte ou pâte liquide dans un moule. Donc, ça fait une pâte? Oui, ça le fait une pâte. Maintenant, deux ajoutés dans le même bol de pétrin, zeste de citron séché. Je crois avoir vu un truc qui ressemble à du citron, je crois. Ah! OK. Combien de grammes? Zeste de citron séché, 15 grammes. Direct dedans, je pense, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. OK. Je commence à m'habituer avec les touches. OK, maintenant, ensuite... sel, 5 grammes. Du sel. Du... bon, le fécule que j'ai... 5 grammes, c'est ça? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, il y a un truc qui est tombé. Oh, Bottle Flip Challenge. C'était 5 grammes. Œuf, 400 grammes. Comment on peut savoir les œufs, c'est 400 grammes? Oh, mais t'en casses un, puis tu vois s'il y a 400 grammes, puis après tu t'en casses un. Je crois que c'est genre dans le frigo, là. Ouais, l'œuf. C'est dans le frigo. Non, derrière. Là. Ouais, là. C'est le frigo. OK, ça l'eau direct. Pas besoin de faire un. Oh. Hey. F. Alors ça, juste ça, comment on fait? OK, on le casse et... oh! Tiens. Donc, il y a combien de grammes? Un œuf, ça compte pour 100 grammes, donc on en a besoin de 4. 4? Moi, je pour m'en fous. Pour combien de grammes? On en a parce qu'on a besoin de 400, donc on en a besoin de... wow, c'est cruel. Comment? La façon qu'on l'ouvre, c'est dans ta rive. C'est drôle, par exemple. Regarde les coquilles, ils sont encore là. Et un dernier. Oui. Il en manque un dernier. Et Yali parle un peu plus fort, ça se peut qu'on t'entende. OK. Mais c'est parce que là, je suis pas mal concentrée, là. C'est fou et dur, ce jeu-là. C'est quoi? Ouais, bon. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est les coquilles. Coquilles d'œufs. Maintenant, ensuite, mélanger avec l'accessoire. Lampe de mélange. Bam. Mets en marche. Go! On bouche nos oreilles. Je vais voir, c'est fini. Finish. Une pâte. Désormais, 3. Ajouter dans le même bol de pétrin et beurre 200 grammes. Donc, où pourrait ce beurre? Dans le frigo, non? Je pense que oui. T'as oublié de fermer le frigo, ça peut être dangereux. Oh, c'est pas grave. Regarde en haut. En on paye. Ouais. Ici, on paye pas le... oh non, la levure du boulanger. Oh, crotte. Bon, c'est pas grave. On peut jamais rater. Donc, oh, le beurre. Belle. Donc, on a besoin de 200 grammes. Un de beurre, ici. C'est combien? Oh. Allez. Tiens. Voilà. 200. Non, mais on a besoin de 200 grammes, c'est ça? C'est 200 grammes. Ça, c'est 200 grammes, donc vraiment, on avait besoin d'un gros affaire. Maintenant, on mélange encore avec la lampe de choses de mélange. Pam. Mais j'ai rien là-dessus, c'est long. C'est long faire des pâtisseries. Imagine, après la journée, il y a juste deux pâtisseries. Donc, mélange. Mettre pâte à beignet, frites, dans le distributeur de pâte. Précis dans la friteuse. Mettre la pâte, tu dois le mettre dans le... voilà. Là ou dans le four? Mais là, je vais mettre là-dedans. Mais là. Comment je le dépose? Clique. Non, mais... bon, je vais le mettre dans le four ici. OK. Pam. On fait chauffer combien de temps? Voilà, démarrer.
OK, donc je sais pas comment ça marche. Mais okay, 30 bon, minutes. Finalement, je vais le faire dans la friteuse. OK. Je vais essayer. Non, mais regarde, il y a des lignes, là. J'ai la flemme. Clique. Non, mais clique sur la même chose que tu as cliqué pour faire le beurre. En prendre plus, non. Au pire. Attends. Ça, je mets ça dedans. J'ai mis tout. Clique. OK. Voilà. Ça va être un bain très bizarre. Mais... Et maintenant, on start la friteuse. Mettre en marche. Voilà. Faire frire. Et je vais mettre à appuyez sur T et marquer. Je vais mettre à 2. 4. Non, oh, mais là, c'est 2. Pour ça. 2. Non, Ali, il ne fallait pas tous descendre. Il faut faire descendre seulement le 2. Je sais, mais je ne suis pas capable. Il y a la porte dedans. Mais elle veut pas chauffer cette pente-là. Petite pause. Les filles, vous êtes sur un fond vert. Ouais. Si vous sortez du fond vert, vous êtes coupé de l'image. Là, t'es rendu loin. Ouais. Wow. Faire frire. OK, il faut le mettre dans un genre de truc de même. Oh. Comme ça. Là, ça, je vais l'éteindre. Maintenant. OK. Donc là, je mets la machine là. Je sais pas comment ça marche. Ben, utilise-le, Ali. Oh. Non, mais il faut mettre les trucs de même, je crois. Mais fais-le. Voilà. Oh, finalement, ça va être rapide, plein de beignets. Ouais, magnifique. Tiens, merci. Maintenant, on peut allumer ça. Et voilà. Chauffer. On attend. Donc, comment elle était ta journée, Sam? Bien. Moi, j'ai fait des pâtisseries. Puis là, ben, je sais pas comment on fait trop. C'est en train de cuire. On peut remplir d'huile ou vider. En fait, c'est un lave-vaisselle. Et il faut remplir d'huile, Ali. Sinon, ça cuit pas. Ouais. Oh. Non, t'inquiète pas, j'ai fait exprès. Mon lit. C'est chaud. OK. Sacré! Enlève! Sacré, hein. Enfin, sur le bouton pour le vider, allez. Voilà. C'est toujours pas chauffé. Mais comment on fait pour le chauffer rapidement? Ben, comme ça. Ça chauffe rapidement. Ajuster le temps selon le distributeur de la pâte. Je comprends pas. Je suis trop nulle pour ça. Bon. Bon. On laisse un petit 15 minutes. Ça va aller. Au pire, regarde puis renvoie-le après. Ali, tu peux regarder puis la renvoyer. Si, parce que là, je vois que c'est en train de cuire. En tout cas. Mais comment on va le savoir que c'est prêt? Ben, tu cliques sur le 2 pour qu'il remonte, non? Clique sur le 2 en bas. Voilà, fait que là, il va remonter puis tu vas le savoir. On dirait qu'ils sont prêts. Ah non, il est marqué 1 à la moitié. Ça a l'air chaud, quoi. Je sais pas, je le laisse encore un petit peu. Je sais pas trop comment faire. Ben, on le laisse à chaque fois 15...
15-20 minutes, là. Il y a quoi là-dedans? Oh! Il y a absolument rien, très intéressant. Je crois qu'il y en a chaud. Bon, je l'ai laissé quand même, mais on va attendre. Si à moitié chauffé, Alice, ça veut dire que tu dois refaire ce temps-là pour qu'il soit chauffé au complet. Oh. Bon. Ils sont brûlés, Alice. Tu peux les jeter à la poubelle. Ok. Ben. J'ai une première. Non, mais sérieux. Pose-la. Pose-la à la poubelle. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas bons? Ils sont brûlés, Ali. Pose-les à la poubelle. Je les mets dans la babou. Mais. Tenez, il y en a un. Ali. Non, tu devrais pas le décorer avant. Non, fermé. Tu devais pas le décorer. Je suis pas capable, moi. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, non? Ben, tu viens de les faire brûler, c'est ça qui se passe. Oh, il faut. Mais je connais pas le jeu. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont brûlés ou quoi? Oui, ils sont brûlés. Elle vient de les faire brûler. Elle en a mis un, ok? Ils sont morts quand tu déposes, ils font toc. T'es okay. Oui, mais elle en a mis un ou le plateau, il est fini. Pam! Mais elle sait pas où la poubelle est dit. Ça prend le plan. Non. Bon, c'est pas grave, je n'en ai utilisé aucun. Donc, pour refaire cette affaire-là, alors, qui est l'eau, complètement... eau 150 litres. Cette fois-là, je sais comment. Mais là, on sait pas justement, parce qu'il est pas marqué sur. Passe ton téléphone dans les branches. Sur le téléphone du jeu. Non! Bon, allez, c'est pas grave, laisse-le. Ouais, c'est ça. Laisse-le, on va le refaire après, là. Ok, descend. Non. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Hey, ça, tu vas aller chercher ton livre de puissance. Ça? Descends en bas. Toi? Ajouter dans le même bol. Tu veux ajuster une tasse sur un distributeur de part. Bon. Tu es obligé de regarder même le vin comme tout le temps. Oh. C'est pas grave. Je commence à rien. Allez, enlève l'eau parce que. Il y en a beaucoup trop là. C'est genre la pote. C'est bon, il n'y reste plus. Donc, c'est 150 minutes. Ok, bon, pas grave. Je vais faire avec ça, là. Non. Un petit peu. Vers-en. Je vais quand même. Stop. Versé. Non, mais là, Sam, je suis vraiment pas prêt. C'est pas toi qui joues en ce moment-là. Oui, mais. Mais arrête. Verse pas tout. Okay. Voilà, c'est bon. Fais avec ça parce que sinon, tu vas avoir encore 2 minutes. Ça, on va le jeter. Dans la... Non, mais lave-le. Et on lave. Voilà. Oh.
Ali. Ouch. Non, mais... Tiens. Non, enlève-le. J'ai rien fait. Okay. OK, c'est pas sûr. On se remet. Je m'en vais en prendre une autre, d'abord. C'est gratuit. Ali, ferme le frigo, sinon tes aliments... ça va être pout-pout, hein. Farine 1, chérie. 4. C'est 400 grammes? Oups. Non, mais c'est combien de grammes? Je te demande. 400. 400? Ah, okay. Oh, parfait. Bon, il n'y a rien d'arbre. Mm. Ok. Là, tu... Comme il n'y a rien dedans. Voilà. Tu l'as tout versé. Non, mais il n'y a rien dedans. Non, mais c'est vrai? Tu viens de tout verser, Ali. Il n'y a rien dedans. Il y a juste de l'eau. Ah, oh, ben, apporte ton vrai bol, puis mets-le là. Non, mais si je me manque. C'est pas grave. Là. Non, mais Sam, t'as pas à me décider, là. Oups. Je vais mettre là. Je vais replacer ça comme il faut. Je mélange. Non, Ali, tu te souviens, il était où le sucre en poudre? Non. Il était là-bas où l'armoire, avec les choses là. Non, pas là. Oui, là. Il était là, tu te rappelles? Ça, c'est du sel. Sucre à glace. Non, il est pas là. Mais il était à quelque part là. Il n'y a pas de sucre, poudre aussi. Ça, c'est la crème au bon chocolat. Non, pas là. Non, ça, c'est... Bon, je vais faire avec le sucre cristallisé. Faut en verser combien? Oh, levure de boulanger. Là, je le sais, c'est où. C'était dans le frigo. Au. Au. En haut. Ça, c'est du bas. Levure de... Parfait. Au pire, j'ai juste à le pitcher dedans. Tiens. Ok, mélanger. Oh. Ah, donc. Zeste de citron séché. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept.
On met 4 œufs. Oh. J'ai cassé. Mais ça, c'est drôle, par exemple. Il nous manque 2 œufs. Ouais. Sinon, Ali, moi, je trouve que c'est un bon jeu. Hein. Ouais, j'avoue. Non, pas encore. Ok, fio. C'est facile un peu pour les débutants, dépendamment de. Il y en a 3. Qu'est-ce que donc, tu là, fais. Il faut en mettre un dernier. Pam. Tac. Non. Okay. En plus, qu'est-ce qui est pas difficile, c'est que t'as toujours le téléphone. Donc, si t'as besoin de quelque chose, t'as le téléphone, t'as toujours tout écrit au début. Ouais, c'est vrai. C'est facile pour les débutants. Ouais. Mais déjà, en plus, il faut le styler parce que c'est genre, tu peux toujours. C'est comme, tu peux cliquer là, tu peux prendre des photos. Ouais, mais. Ajouter dans le même bol 200 grammes de beurre. Ok. Pam. Ok. Faut toujours tout regarder le téléphone. Ouais, ben, quand t'es habitué, t'as pas besoin. C'est ça. T'as juste une bonne mémoire, en fait. Moi, j'en ai pas. J'oublie des choses que j'avais regardées. C'est pour ça que je te rappelle. Genre, je regarde là, il est 4h12. Il est quelle heure? 4h12? Maintenant, je mets dans le truc à baigner. Ouvre-le, sinon ça va aller mal. Non, ça c'est pour. Ça c'est pour les donuts. Non, Alice, ça c'est pour les donuts comme. Moi, je sais. Ouvert. Là, on veut pas des donuts ouverts. C'est parce que j'ai envie de l'affaire. Regarde. Voilà. Attends. C'est parce que je veux mettre le truc de donuts. Non, tu peux pas. Parce que le donuts, en fait, quand tu le vois, il est de même. Il est pas de même. Tu vois, tu peux pas le mettre à cause qu'il est pas. Mais là, pas dans le parage. Tu vois, c'est le même qui a demandé le donut. Là, tu mets l'huile. Sinon, ça cuira pas. Le 2, je vais le retirer, sinon, je vois pas. De toute façon, ils sont déjà. Oui, mais ça peut peut-être les brûler, Ali. Je vais les pitcher. Voilà. Pendant ce temps-là, je m'amuse à jouer au basketball. Checkez ça, les gens. Non, mais Ali, Ali, t'aurais pu les jeter dans la poubelle. Hey, fais attention parce qu'ils sont toujours en train de cuire, hein. Remonte les autres. Ils sont en train de cuire. Ouais, mais ils sont pareils. Ils sont très pâles. Ils ont pas bronzé. Regarde, il y aura sûrement des bulles. Pendant ce temps-là, tu peux aller jeter les autres dans la poubelle. Il y aura des bulles quand ça va être bien, quand ça va commencer à vraiment chauffer. Faut vraiment. Commence à les mettre à la poubelle. Ah non, je peux pas les empiler. Non, je veux pas les mettre dans la poubelle. Je veux pas risquer, genre. Parce que regarde comment ils sont dégueux. C'est ça, ils vont à la poubelle. Ils n'ont pas l'air rapide ça. On dirait qu'ils ont plus bronzé un petit peu là, dans les villes. Après ça, tu vas mettre des pâtisseries. Ah. Pas trop, par exemple. Ferme un peu tes yeux. Je suis pas sûre qu'on voit dans l'émission. Je trouve que faudrait mettre genre 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3. Oh, ouais. Là, je trouve qu'ils ont un peu bronzé. Attends.
check. Je vais aller les chercher un plat. Ouais, check devant. Qui me fait faim. Ouais, ça c'est pour. Je vais prendre ça. Oh non, attends un petit peu. Il y avait une plaque là-bas. Puis il y en avait une là. Aussi. Oups. C'est pas ça. Bon, je suis très mêlée. Même trop. Fais couler l'huile. Fais couler l'huile. Hey, dessus, est-ce qu'il est marqué si ça s'est chauffé ou pas? Je sais pas. Mais regarde, prends le train de regarder. Je vais faire avec. Oublie pas de mettre le crémage. Moi, je vais faire la pizza. Donc, je vais en prendre un. Je vais mettre là-dessus. Ok, je crois qu'il faut aller chercher la pâtisserie dedans. Non. Je vais prendre du chocolat. Non, c'est pas le même. Allez, regarde, il est écrit à appuyer sur T. Comme ça, tu vas pouvoir voir. Attends, comment faire. Oh, faut que tu mettes un pot, je crois. Mais moi, j'ai un glaçage. C'est ça, faut que tu mettes un pot pour avoir le glaçage. Comme ça, tu vas pouvoir le ramasser puis le mettre, non? Ah, parfait. Perfect. Yon. Fais les autres, encore. Fais les autres. Non, fais les autres. Mais en masse. C'est bon. Je vais mettre du rose. Ouais, des fraises. Ah, oh, des fraises, ok. Pam. Pam. Tu veux-tu mettre des petits sucres? Pam. Des genres de petits ouais, sucres. Attends, tu veux. C'est quoi? Colorant alimentaire. Attends, je vais prendre du bleu. Ouais. Je vais alimenter ce colorant alimentaire. Oh, je pense qu'il faut utiliser la genre de seringue. Mais là, tu dois l'ouvrir premièrement. C'est bon là. Sinon, il va être trop bleu, Ali. J'ai trouvé. Tiens, lui, il va être bleu. Bon, c'est bon, je crois. Non, mais Al. Voilà. Faut pas en abuser non plus. Hein. Regarde. Non, mais c'est bon. Okay. On n'est pas là pour niaiser, tu sais. Ouais, je sais, mais c'est quand même drôle. Regarde. T'en mets sur deux. Je vais faire une double couleur. Ça, je dépose ça. Je vais prendre le rose. Je vais prendre le jaune. Je vais le mélanger. Pam. Pam. Oh, ça fait du rose. Maintenant, je vais prendre du rouge. Je pense que c'est du rouge. Ouais, c'est du rouge. Ça va faire brillant. Ça va être un rose brillant, je sais pourquoi là. Tiens, on a assez décoré les biscuits même. Tu mets pas des pépites? Ouais, je mets des pépites. Ils sont là. Myrtille, canneberge, noix de coco, noisette, raisin sec, sucre en poudre. Je vais prendre le sucre en poudre. Ali, c'est le sucre en poudre qu'il te fallait, Ali, pour ta pâtisserie. C'est pas grave, il y en a quand même beau, check ça. Oh. Voilà. C'est bon.
Puis maintenant... C'est bon, Ali, là. On en a bon. En masse. Lui, ce sera le plus gâté. Ouais, clair. Bon. Oh non, il n'y en a plus. Bon, moi, je vais vendre ça. Non, mais il va mettre la pâte. Tiens, vendre. Attends un petit peu. Et voilà. Et voilà. Comment je les ai piqués? Maintenant, tu... Acheter! Il achète pas maintenant. Il y a qui donne. Bon, refais-en, Ali. Je vais chercher une autre pâte. Je pense pas que je l'ai mal. Je pense que je l'ai mal fait. On va aller prendre une photo. Des bons biscuits. Voilà. Croquant léger noir. Sweet Instagram. Ouais. Fait que là, y a ça va être ma photo de profil. Non, il y a du monde qui vont venir. Ok, donc là, il faut, on peut le faire. Dans environ une minute. Ok. Ça veut dire dans, ça veut dire que dans une minute, les clients vont venir chercher. So, comment les biscuits? Non, ça veut dire que c'est à 6 heures qu'ils vont venir les acheter. Ok. Ok, bon, c'est très bordel. Ça, je vais mettre ça là. Refais-en pendant ce temps-là, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ouais. Est-ce que tu as une autre pente? Essaye, regarde, il y a la flèche là. Voilà. Oh non. 50 BP. J'en ai 350. Mais là, tu peux l'acheter, ça veut dire? Oui, il faut acheter des recettes. Je vais essayer de faire. Oh, les clients. Donc, je vais continuer à faire cela. Il va être 6 heures. C'est-tu bon? Il va être 6 heures. Ok, regarde, 6 heures. Acheter? Non, il est pas 6 heures encore. Vente de tomates. Ouais, tu veux regarder s'il y a des pouces. Non, non, non. Le dernier. Ta-da! Tous mes amis sont partis. Hey, ils ont pris à le brûler, hein, allez. Madame Renard, Casey Cakes, Café Anglais, Pew Pew Pies, 5 au club, blablabla. Score, 42. Score global, 42. Oh, il y en a un qui a dit « Oh! » Puis il y en a un qui ont mis des pouces bleus. Pouces bleus. Bon, moi, il va marquer « Hashtag sans lactose ». Regarde, il n'y a pas personne qui a mis ça. Il y a une personne qui a mis ça, une personne qui a mis ça, il 13 pouces bleus. Il a l'air bon, hein, Sam? Bon. Donc, Aïssa, est-ce que t'as aimé ton jeu? Ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'il est très réaliste. Il est vraiment beau. Les sons de quand il y a des autos qui passaient, c'était vraiment cool. Puis souvent, quand on fait du bordel, ben, ça reste. Donc, il faut nettoyer, mais je sais pas si on est obligé. Mais ça l'avait l'air vraiment cool. T'as-tu réussi à vendre tes beignes? C'était pas trop des beignes, c'était des cookies beignes plus. Mais t'as-tu réussi à les vendre? Ouais. T'as-tu fait de l'argent? Mais je sais pas, j'ai pas... T'as pas regardé l'argent que ça t'a fait? Je pense qu'au moins 30$. Au moins 30$, ok. Est-ce que c'était compliqué? Tu trouvais ça compliqué? Ben oui, mais le truc le plus de fun, c'était aussi de faire les décos. Ouais, la partie à la fin, là, hein? Ouais, OK. Est-ce que tu recommanderais ce jeu-là à quelqu'un d'autre de ton âge? T'as quel âge, toi? 10 ans. Est-ce que tu recommanderais ce jeu-là à quelqu'un de 10 ans? Quelqu'un qui commence à jouer à l'ordinateur ou c'est trop compliqué puis tu voudrais lui faire jouer à quelque chose d'autre? Je dirais pas mal, oui, puis non. Mais oui, parce que ça l'aide à apprendre à faire, à manger. Ça l'aide aussi à pouvoir s'amuser. C'est le fun, c'est réaliste. Ça, comme ça, on peut apprendre comment faire à manger pour quand on va être plus grand, ben,
On saura comment faire à manger. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas comme, tu sais, quand on mettait de l'eau, là, ben, on voyait 150 millilitres. Ben, c'est sûr qu'il faudra que, ben, à un moment donné, au moins, genre, une update qui aille, genre, un mode de jeu sans les millilitres de même. Non, mais c'est correct que tu les vois. Ouais. Je veux dire, dans la vraie vie, tu prends ta tasse à mesurer puis tu regardes les millilitres. Ouais, c'est vrai. Et là, ils font juste t'aider un petit peu. Là. Ouais, mais c'est du pareil au même. Mais c'est fun parce que c'est un jeu qui pratique les mathématiques aussi. Parce que si tu te trompes, tu es obligé de calculer combien qui te manque parce que sinon, tu recommences du début. Comme tantôt. Comme tantôt, ouais. On avait fait ça au début. Tu fais calculer les mathématiques. Donc, c'est un jeu qui t'apprend un peu les mathématiques au passage. C'est un jeu qui t'apprend les recettes au passage. Peut-être que les recettes sont vraies, peut-être qu'elles sont pas vraies. Quand tu arriveras chez toi, tu l'essaieras avec tes parents. Peut-être. Peut-être que c'est vrai. Fait que t'aimes ça? Parfait. C'est très réaliste. Parfait. Merci beaucoup, les filles. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, c'est parce qu'ici que j'aime le bénévolat. Ici, parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde. Puis, tu sais, c'est une activité de rassemblement aussi. Puis, c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes. Et puis, j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.